Cette fois, le loup y est. Demain soir, les Lyonnais entament la première saison de leur histoire en top 14. Et pour commencer, ils affrontent ce qui se fait de mieux, Clermont, le champion de France 2010. Comme entrée en matière, c'est plutôt costaud. Faut dire qu'on part avec beaucoup de Z dans notre jeu de Scrabble, là. Donc, c'est sûr qu'avec le nombre de blessés, Clermont a Clermont qui n'a pas perdu depuis 2 ans. La moyenne de points est au-delà de 30 points pour chaque équipe qui se déplace là-bas. C'est compliqué. Ajoutez à ça une cascade de blessés, 12 précisément, et on comprend que les Lyonnais ne sont pas tout à fait sereins avant ce premier match. Demain, 7 joueurs évolueront pour la première fois au plus haut niveau. Leur seul objectif, ça sera de tenir le choc. L'objectif est de tenir notre rang. Au minimum, il nous faut un point de bonus défensif sur ce match de Clermont. On est en découverte. Donc comme toute découverte, on va jouer crânement notre chance sur tous les matchs. On doit provoquer cette chance-là. Même avec de la chance, de toute façon, l'entame de championnat s'annonce déjà très compliquée. Après Clermont, c'est Toulouse qui se présentera à Gerland. Autrement dit, après le champion de 2010, celui de 2011. Il ne faudra pas se démoraliser. Je crois que le mot d'ordre, ça va être solidarité dans les moments difficiles, patience, parce que étrangement, on est serein sur la durée. On pense qu'on a les moyens de figurer sur les 26 journées de top 14. Une chose est sûre donc, demain soir à Clermont-le-Loup, on saura plus. Coup d'envoi à 20h.